La zone euro sort enfin de la récession. Bonne nouvelle tombée ce mercredi matin avec la mise à jour du PIB européen, un produit intérieur brut qui, pour le deuxième trimestre 2013, gonfle de 0,3%. Parmi les bons élèves de ce milieu d'année, on retrouve sans surprise l'Allemagne avec un PIB en hausse de 0,7%, du jamais vu en Europe depuis juillet 2012. Et puis la France renoue également avec ses sommets, la France avec un produit intérieur brut qui atteint ce trimestre les plus 0,5%, soit le chiffre le plus élevé depuis l'année 2011. Alors cette sortie de récession ne signifie évidemment pas sortie de crise. Des pays comme l'Espagne ou encore la République tchèque affichent toujours de grosses difficultés économiques. Mais la nouvelle a tout de même des impacts sur les différents marchés, sur le marché des devises tout d'abord, avec un euro qui s'échange désormais contre 1,3254 $. Et puis aussi sur les marchés français avec un CAC 40 qui battait son record annuel aujourd'hui à la Bourse de Paris. Peu avant la clôture, le CAC 40 affichait une hausse de 0,67% à 4119 points.